Bandi nan Matisan attaqué yon bis qui t'a sorti Carrefour pour aller en bas la ville. Plusieurs moun sorti blessé en bas bal malfra si la yo. Effectif là, m'pa rien exact, même bral bon détail. Yon lot bo nan commune Delma, sitou nan Delma 33, 75, Delma 83 pour m'cite zone sa ou Saint-Man. Mon cher, yo tourné sans kidnapping. Selon information qui me fait confiance, c'est nèg vite l'homme yo qui a frappé comme ça après ou te fini remettre plusieurs lettres by quelques entreprises dans commune là. Entreprise yo semblé boudé, mon cher a passé à l'action, j'en te promets li a à travers contenu lettre là. Bral bon tout détail et gen ONU qui mandé tout pays net à travers monde là pour suspendre déporter haïtien kap kouri kite la kayo parce que la kay pa bon vrai fond solidaire avec peuple haïtien. Et dans sa fait choléra gen $1 million qui pral décaisser pour combattre maladie choléra dans pays d'Haïti. Comment nous y est? Moi espère que nous en forme, moi espère que n'ap kembe. Mon cher fòm di nous connaît déjà dans route Matisan, bloc Matisan, bagayou vraiment exagéré. Bagayou vraiment drôle depuis plus que 3 l'année. Selon information qui me gagne, bandi Axam au niveau de Matisan yo tiré sur un bis qui t'a sorti Carrefour pour capable aller en bas la ville. Nèg yo fait coup de balle sous bis là et gen en pile moun qui sorti blessé suite avec information que nous disposé qui sorti dans bouche syndicaliste Meyu changeux. C'est lui même qui fait qu'on est en pile moun prend balle dans bis là. Est-ce que gen moun ki cadavre? M'pa gen détail ça yo, m'pa gen information ça yo, mais information qui nous fait confiance en pile moun prend balle. Mais Meyu pas en mesure pour capable dire nous combien de monde qui prend balle comme ça. Nous connaît déjà malgré Jean pays d'Haïti là, malgré problème, malgré insécurité, mais gon baquet monde. La nati ou bien la vie dans pays d'Haïti permet yo nous capable di ap forcer yo pour yo vivre chaque jour monde metti. On jour pas sorti pas gain espoir dans caill là. Dans sens ça yo obligé à marcher sous danger à nuit kou la journée. Pour yo chercher des goudin pour chercher la manger là pour aller déposer sous table là pour ti moun yo capable joindre. Malgré coup de balle a pété, machine toujours a circulé au niveau de route Matisan. En tout cas, jusqu'il est n'a pas suspendu compte cadavre, c'est question qu'a posé, mais m'a dit ça. Tout autant tête là pas coupé, faut que nous gain espoir en bon lait, en bon jour pour nous capable mettre chapeau. L'autre détail, l'autre information que m'a ba nous après chef gang vite l'homme. Li fin bay serenade nan out frais. Li saccage commune Pétionville, plusieurs actes kidnapping enregistré. Mouche ya nan jouk sot passé yo, la semaine qui sot passé yo, li te écrit divers lettres, imprimé lettres sa yo, mette yo nan enveloppe ensemble avec un grain cartouche. Pour li te partager lettres sa yo avec un paquet directeur gen business, businessman et nan commune Delma. Genyen l'hôpital Espoir nan Delma 75. Qui te recevoir à l'aide pal, monsieur te voye message by magistrat commune qui c'est Wilson Jedi pour lui dire mon cher, bon recette chaque semaine, faut vous faire avec lui. Bon l'argent faut quitter pour lui, sinon ça gagne dans ton sel là, ça gagne dans tabac, ça cap déclencher là au niveau des communes Pétionville, au niveau des Oufrè, a gagne tout dans commune Delma. Malgré Jean commune là il a audition les stratégiques bandi bakavin taille bande là dans le vrai et bien forme dou nèg yo commencé à frapper fort. L'aime dit nèg yo nèg vite l'homme yo zone Delma 33 ça lui même journée jodi a pas dire pour parce qu'elle fait commencer mais elle vient tourner on sent que cal pour bandi Axam fait kidnapping qui ont business on pas citer non mais li dans Delma 33 pour moun qui compte bloc et côté ministre et comment les affaires sociales ministère affaires sociales qui dans zone Delma 33 m'kwen nan rigi romain l'on fait zone son prolongé net ou elle sorti dans espace pour moun ki konn Delma 33 bien non zone yo le Jamaïa c'est sous nous ça qui en pile moun konn zone là gen un petit coup pour faire li ka permettre elle sorti Delma 43 li ka permettre elle sorti dans zone Faustin premier dans zone Delma 75 li débouché sur toute route ça yo gen un jeune garçon qui choisit faire petit business li
li te gen tan resevwa lèt nan men chef gang yo an pa nan de ti mesye vite l'homme yo. Est-ce qu'on connaît ça gen a peu près 4 jours là selon information qui me fait confiance nèg yo rentré yo prend responsable là yo rentré dans business yo kidnappé lui après plusieurs kidnapping qui fait devant business déjà oui cette fois nèg yo rentré yo prend PDG a y a là avec lui mais pays a puisque c'est vite l'homme qui te gen annoncé message li qui veut qu'on ait si Ariel Henry partant de la raison pour fouiller le gouvernement, des problèmes en pile problème et même si commencer par problème. Dépenser, c'est des gouvernements Ariel là même qui t'a par problème, mais nous capable constater c'est peuple haïtien qui bandit ça au pas vrai. C'est population civile là qui bandit ça au pas vrai. Ou même qui a pédé casser fait couvrir ça pour un gang cap développer, un gang cap capable dit cap évoluer dans canton ou pas dénoncer ça demain kafou ap koula mal. On regarde Bouda grep là. Ou après grep là, li vraiment petit. En tout cas, m'a demandé avec force de l'audio, commissaire Delma, dégage au coup M. Jean-Jacques Pouet, comment on capable fini avec fréquence ça que chef gang vite l'homme vient tant mais n'est pas sorti juste au sel, li bat li rive Delma pour commettre tout zak sa. On va au Delma non, di descend net, bon monsieur censé rive tout près palais municipal pour la venir kidnapper moun. Qui ça magistrat ville la pral di dans ça, qui ça commissaire Delma pral di? Jusqu'à présent, je ne sais pas. Bah, qu'on a rien, mais n'a suivre toujours comment la situation ça. Est-ce qu'il a quitté le démêlé ou bien est-ce qu'il a mis un frein dans ça? Pendant que je parle de kidnapping, non, bandit Axam kidnappé des gros personnages, des gros mouns, on prend des autobrés dans le pays d'Haïti. Youn, Rele, Marie, Alice, Belize, yon prend noter ça dans la zone Misso, et l'autre là, c'est un avocat, Maître James Brown. Yo prend le même jour ça, ça passe 3 novembre. Eh bien, même jour ça, yo prend James Brown dans zone Boudon. James Brown ni même c'est petit garçon Maître Jean-Baptiste Brown. A dit des gros autobus jusqu'à présent, yo nan men ravisse yo, m'pa konnen combien cop yo déjà mandé en échange pour ta libérer. Est-ce que pays a et m'a dit ça clair. C'est vrai jouni jodi a ONU li mandé tout pays pour suspendre déporter haïtien qui a pour quitter la caille pour affaire pas bon pour insécurité. Les mandé font créer en façon pour nous bay haïtien ça qui a venir bay accès pour demander asile politique bay en pièce pour permettre yo légal de manière temporaire dans pays côté yo aller pas seulement États-Unis pas seulement Canada n'importe pays yo on haïtien ta venir illégal pas voyer pas pimpel dans l'enfer c'est parce que la caille pas bon qui fait le cap prend voie illégal pour capable rentrer l'autre bois. Dans ce sens, yo mandé avec tout pays net à travers monde là, si on haïtien vinn la caï nou, li vinn illégal, pas déporté, cherche une façon encadrer, permettre les jeunes un asile politique parce que s'il courir, c'est parce que la caï pas bon vrai. C'est ça responsable ONU mandé à tout pays à travers monde là. Moi m'a dit ça clair. Journée aujourd'hui, il y a un clin d'œil qui fait qu'on est qui bail un résumé des pays d'Haïti. Journée aujourd'hui, à pays d'Haïti mais ça pays a gen la dedans mais comment pays a résumé pas gen gaz porte l'école yo fermé et jusqu'à présent par contre qu'il est appauvri c'est quelques côtés dans Saint-Marc cap essayer font réouverture des classes en groupe yet même Nesmimani ga pa ka di way nan ça li pa gen légitimité a pays d'Haïti nous gen augmentation ka kidnapping yo par contre qu'il est que l'a suspend comprendre bien oui quatrième position nous gen gangs armés qui envahissent quatre coins pays d'Haïti. Ou par contre, qui l'État met ton frein dans ça. Et ou gagne tout. Le premier des policiers haïtiens qui a géré CSPN, en parlant de Ariel Henry, parce que c'est lui-même qui est actuel premier ministre. C'est un CSPN qui n'a pas existé sous aucune forme. Un gouvernement, malgré tout ça qui a passé là dans le gouvernement, son gouvernement silencieux. Son gouvernement qui fait silence. Est-ce qu'on comprend? Et en sixième position, alors en septième, je suis capable de dire, bon, je ne suis pas troublé dans la position, mais l'autre bagarre encore. Nous gagnons tout professeur là, yo en chômage et même si l'école d'a ouvri porte pour l'argent qui a touché son chômage déguisé. Et pour me finir, augmentation prix produits premiers et nécessités. Haïti dans couti, l'eau va acheter, fabo va acheter, est-ce que vous comprenez et qui ça encore pas tomate, magi tout ça aujourd'hui là, faut gagner cob dans mon pour acheter. En tout cas, pays d'Haïti l'a passé un moment en pile grand monde ou parle avec yo mande yo est-ce que tu connais vivre en situation pareille tant que ça la vivre là yo dit non c'est pour la première fois qu'il a vivre ça l'autre détail l'autre information qui est important pour nous
malgré jusqu'à présent nous toujours été tête raide, nous toujours été bout de fait avec cause choléra, nous dit son propagande et ben m'a dit choléra li là, gagne en pile monde qui déjà atteint maladie si là. Dans sens ça, gagne Union européenne qui prend décision pour capable décaisser 1 million de dollars pour Haïti. Vous entendez? Pour yo décaisser 1 million de dollars pour pays d'Haïti qui a fait face avec maladie si là, pour capable lutter contre maladie choléra. 1 million de dollars tellement là, il t'a supposé bailler 114 212 050 gouttes. C'est ça qu'il t'a supposé bailler dans mouvement avec taux du jour. Vous comprenez bien oui? A dit l'argent ça, yo prend c'est on l'argent que yo dit qui prend bataille pour permettre moun yo récupérer plus rapide pour jeune en guérison efficace et en guérison immédiate avec l'argent ça. Mais pas oublier gon l'argent 14 d'août baron s'il monte baron s'il descend tremblement de terre grand site là. Qu'il y a 1 million qu'on nous va décaisser là pour choléra. Nèg yo comprendre nèg maladie comme ça, pas bon menti. Nèg santé yo joui. Nèg catastrophe comme ça, magouye yo réjoui. En tout cas, l'argent pour le bail pour moun qui trape maladie choléra yo capable joindre sain et alors pardon soin qui nécessité yo capable joindre et on prend guérison qui a cherché parce que y a pile moun là, yo commencé vraiment inquiété pour maladie si là pour pas porter aller même gens dès qu'il paraît dans l'année 2010, elles ont prendre dès qu'il paraît j'ai fait ravage. Suite avec Negyo, ministre, qui dit qu'on a des poupons dans sous nous, et puis mounio c'est l'eau sous ça, qu'on a boué, et puis soit en déjà là, maladie choléra envahit nous, et c'est là tout, haïtien pour faire face avec l'eau traitée. Longtemps, il était toujours dit l'eau traitée, c'est pour mon corps bon, c'est de l'eau tio bien frais, on voit c'est lui même, il était bas, on voit c'est lui qui était semblé, et masse populaire, mais depuis après, vague choléra, elle fait que paraît tout le monde obligé la gueule dans l'eau traitée. Je ne j'ai pas dit, pour acheter un gallon d'eau traitée dans le pays d'Haïti, d'un côté le 22 dollars, d'un côté le 28 et d'un côté le juste 150 gouttes pour acheter un gallon d'eau traitée. Même qui... Ok, le cours en ligne est une alternative qui devait être provisoire. Comprenez? Parce que l'interaction professeur-étudiant sont bas qui est important, mais surtout interaction entre étudiants. Mais si nous besoin faire cours en ligne, il faut que l'étudiant t'ajoigne cours ça après le cours. Ou bien si l'étudiant n'a pas de charge, il n'a pas de courant, il n'a pas d'internet, il faut faire courant, il faut avoir une possibilité de rejoindre le cours là. Et en plus, il faut que le professeur donne des heures de disponibilité. C'est-à-dire que lorsqu'il fait courant, il faut qu'il dise aux étudiants, bon, de telle heure à telle heure, nous avons posé une question, nous avons répondre. Et c'est ça le problème. C'est que pour faire professeur lui-même, il est disponible, il faut qu'il y ait que l'université est d'accord pour payer professeur en plus. Parce que c'est ça tout le problème. Le cours en ligne fait que le professeur travaille beaucoup plus, parce qu'avant, on a deux heures, en fait, deux heures de temps de cours, et puis après ça, tout le bagage est fini. Il y a fort disponible. Donc, pour moi-même, ça qui rend le cours en ligne difficile en Haïti, c'est parce que l'université, les responsables des universités, ils ont pas voulu payer professeur pour ça. Parce que faut payer plus, parce qu'ils sont plus disponibles. C'est peut-être pour moi-même ces raisons ça seulement qui fait que couronning n'a guère problème parce que ça demande beaucoup plus à travailler au professeur, mais mettre faculté au tellement il y a un petit copio qu'on fait déjà, il pas veut diminuer ce comme ça pour que vous payez professeur. C'est ça seulement qui est pour nous. Docteur de Mang, par contre si c'est ça ou dit cours en ligne là il t'a doué on bail provisoire. Oui parce que pour moi-même OK, nous pour comparer réellement pour cours en ligne. C'est-à-dire que faut introduire cours en ligne non? De temps en temps pour étudiants habitués à ça. Parce que étudiants, ils habitués chita en classe, côté le capable à camarade, et les professeurs en face, ils échangent leurs notes, tout et tout. Ils n'ont pas encore réellement cette habitude. Je commence à gagner, mais il faut qu'on finisse d'échanger leurs notes, le une pas en présence de l'autre là. Vous comprenez? Et il y a toujours un de la faculté ou deux, trois étudiants ensemble. Donc, ça veut dire que convivialité, ça, est très fort dans l'université. Et lorsque vous faites quoi en ligne, automatiquement, vous pouvez développer comme étudiant une certaine individualité que en Haïti qui n'est pas réellement possible. C'est-à-dire que forme, on a toujours qu'un des contacts. Vous comprenez? Et deuxièmement, l'université à lui-même, tout.
Par exemple, j'ai dit, on va déposer bail sous module. OK, yo gen des de plateforme que tu as déposé collant. Mais yo pas voulu investir dans cours en ligne tout. Parce que dans cours en ligne, premièrement faut qu'un professeur faut que ou modèle qui vient du café, c'est-à-dire ou bah les bases et puis même l'a développé. Moi même qui ça me fait, j'ai mis mes cours disponibles sur ya sur je vais pas savoir. Bon, oublié. Oui. Google. Non pas, c'est pas Google non et YouTube. OK, me créer page YouTube moi et puis mettre cours là, ça veut dire que même si me pas faire cours, étudiant qui aller sur YouTube, il joue quoi, il ca jouer. Vous comprenez? Mais pour tout effort que me fait le mettre cours là en ligne pour mes étudiants, l'université ne m'a pas payé pour ça. Parce que c'est petit côté secret ça que pas jamais d'où. Les universités ne paient pas les professeurs réellement. Est-ce qu'on connaît que ces universités, si vous avez un problème, ou pas qu'à venir, ou pas venir faire cours, ou pas payer pour quoi? Je vais payer. Pire, si c'est vacances, alors que tout job, je vais vacances là, je vais payer. Pour l'université, les vacances, tu ne paies pas. L'heure où tu es composé, le jour de décomposition. OK, mais professeur pas payé, le team n'a pas composé. Professeur Abgain, puisque chaque les universités, bah, qu'on se connaît, ce sont des classes de 90, 200 étudiants. Donc, vous travaillez beaucoup plus parce qu'il faut corriger, mais vous n'êtes pas payé en plus. C'est ça qui fait que le cours en ligne a un problème. Il faudrait que les responsables d'université, OK, d'accord pour investir là-dedans. Mais yo mando, comme qui dirait son vocation, c'est pas un bagage et enseigner, c'est pas un bagage qui est supposé fort vivre. Yo mando sacrifier tête pour étudiant, on va aimer ça. On va tout le monde va être d'accord. Au pays Abdo, son bon nègre, on va sacrifier pour étudiant. Mais yo même cap touché big cop. OK? Yo va péter yon cop là-dedans. Par exemple, où est que l'université ça? Où est que temps l'école enfermée? Donc tout professeur qui la université privée, pas gagne qui touche, non? Parce que du moment qu'on pas fait cours, y'a pas payé. Vous comprenez? D'accord. Et y'a pas jamais le dos, bon, écoutez, on va faire le cours en ligne, voilà comment on va vous payer. Non, jamais. D'accord, mais ça fait le docteur Delas. Ok, d'accord. Gen yon zanmi gerye ki eseye fè diferans sa pou zanmi oditeur. Li di ke gen yon kou a distans, men gen yon kou an lin. Li di kou an lin nan mande plus logistik. Mm-hmm. Pour comprendre, c'est lui-même d'abord mando logiciel, li mando matériel et plusieurs côtés matériel pour l'école, la matériel pour professeur qui fait quoi, matériel pour étudiant ou écolier qui suivre quoi, et c'est lui-même tout qui fait obligation en bon service internet, électricité et la trier, il faut professeur qui fait quoi, toutes les capacités de base dans l'informatique, pour comprendre, pour le capable manipuler ya etc. Donc bah, c'est tout ça. En parlant de professeur, il y a professeur qui attire attention nous là dans l'école publique, yo qui nan yo ki gen plusieurs mois yo pa touché et nan yon situation comme ça, donc comment reprendre vraiment activité l'école yo? Donc pour professeur sa yo faut que t'a tenu compte de situation particulière puisque l'école là c'est professeur tout élève parent professeur. Donc, l'école là li ki pa relouvri a gen conséquences sur plusieurs autres activités, secteur activité économique, ti marchand yo, moun ki nan la vente toile et couturier yo, donc ça très affecté yo, et c'est dans sens ça réseau enseignant yo qui s'est relancé yon appel pour mander tout secteur dans la vie nationale la porte coller pour rentrer l'école la capable effectif. Nous gagne avec nous en ligne un responsable structure ça qui c'est Marceli Dorceli. Bonjour Pierre Renel, bonjour monsieur Ferdinand, bonjour à monsieur Jessel Garnier, et m'a profité de moment ça pour me saluer tout enseignant qui dans Rio, qui dans plateforme syndicale enseignant yo, toute l'autre organisation qui rejoint nous dans cadre bataille et de sensibilisation que n'a fait pour l'école là réouvrir, puisque jodi a c'est environ 150 000 enseignants qui dans privé et qui gagne 5 mois on goûte pas entrer dans poche yo, situation li alarmante, c'est ça qui fait nous penser que c'est un devoir pour nous entrer dans la bataille ça, pour permettre à ce que l'école là lui ouvre porte. En dehors de ça, c'est environ 4 millions
petit monde qui est à la caillou, qui est dans une situation extrêmement difficile, côté que petit monde est stressé, parents eux-mêmes sont stressés, et ils sont en colère, ils ont des comportements toxiques, puisque ils n'ont pas en contact avec l'IV, ils n'ont pas en contact avec l'autre camarade. Or, nous connaissons l'école là, c'est le plus gros outil de transformation qui gagne dans la société. L'école là, c'est un outil qui met le monde en relation avec l'autre monde, et c'est lui qui peut faire de transformation de enfants qui monde. Adolescence Timouna, dans jeunesse Timouna, jusqu'à ce que Timouna termine l'université, l'y entre dans la vie professionnelle, qui pour faire que l'y vienne un citoyen responsable, engagé. Je dis à, en dehors de toute crise qui vient là, nous pas qu'à décider de fermer l'école, puisque nous rendons compte de nos situations, côté que le gouvernement qui vient tout appareil, l'État, dans le monde, il fait un complice de situation ça, et pas de rien qui fait. Et il pas, je vous dis un mot, depuis qu'il a annoncé l'école là, pour le 3 septembre, jusqu'à présent, ils ont reporté pour le mois d'octobre là, pour le 3, et pas grand-rien qui dit, pas grand-rien qui fait pour l'école là, relouvrir, alors que Haïti pas en guerre, pièce l'autre pays, malgré de l'autre pays qui est en guerre, tant qu'en Ukraine, l'école a fonctionné. En Haïti, l'école n'a pas fonctionné. C'est ça que fait nous-mêmes, dans la plateforme syndicale haïtienne, et ensemble avec toute notre organisation, tant que ANI, CONEC, FENATEC et plusieurs autres organisations, nous lançons une campagne de sensibilisation pour permettre à ce que tout le monde qui est dans le secteur éducatif là, qui vivent de secteur ça, et toute société en général, pour nous mobiliser, pour permettre à ce que l'école là, l'ouvre les portes, nous pas qu'à accepter nos situations côté que l'école là, l'y fermée, or c'est seul outils qui étaient pour nous comme peuple. Et à travers lui-même, nous sommes capables d'espérer un lendemain meilleur pour nos jeunes, alors que jeunes, je dis, ils ont aux abois, ils ne connaissent pas qui ça pour nous faire. Parents, ils ont aux abois, ils ne connaissent pas qui ça pour nous faire. Pas les personnes, autorités qui ne nous disent rien. Et c'est ça que fait nous dit, je dis, c'est la société qui pour prendre question ça en main. C'est les secteurs vitaux de la vie nationale qui pour prendre question ça en main. Puisque si machin de pâté qui devant l'école là, ils vivent de secteur éducatif là, et machin surette là, machin figue là, machin zéa, ils vivent de secteur ça, même gens qui ont dit que gaz là, c'est un produit transversal, l'école là, c'est un outil qui génère un pur revenu dans la société. Puisque là, il y a l'école, et nous qui fait taxi, parents qui prennent le travail, obligés de faire abonnement pour petit lit. De ça, comme entrée dans la poche, nous qui fait taxi, que ce soit nous qui fait taxi moto, que ce soit nous qui fait taxi machine, l'argent rentre dans la poche et gain activité économique et vous sentez ça dans la rue, il y a un pile va-et-vient. Vous comprenez que je dis, il y a une insécurité généralisée dans notre pays. Nous comprenons que, je dis, la question gaz là, son problème réellement qui a une conséquence sur l'ouverture des classes là. Mais ça, il n'y a pas de raison valable qui peut permettre que l'école là ne pas ouvrir. Et c'est un devoir pour les gens qui sont au pouvoir de prendre des décisions pressées sur la question gaz là, à savoir retourner sous décision ça et travailler à ce que yo casse rythme et sécurité qui est là en notre pays qui vous permettre la vie de reprendre normal dans la société. Chaque fois nous dans situation côté l'école pas fonctionner, eh bien pays a les malades, pays a malade jusqu'aux os, et c'est ça la vive là aujourd'hui. Il y a un petit monde qui a tombé en dépression la caillou. Peut-être ça, il n'y a pas parlé, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a un pile enseignant, je dis, c'est de ça qu'ils vivent. Parce que c'est ça qu'ils font pour vivre. Il y a des madames. Si ils sont garçons, il y a des madames, il y a des petites pour occuper. Il y a des codes qui entrent dans la poche, comment ils vivent. Il y a un pile
Et enseignante, yo gen mari, yo gen piti pour occuper. Yo gen un petit cousin, un petit cousine qui a passé la caillou, qui a checké yo pour joindre un petit qui sort et puis à la caillou. Là, yo même ou fermer l'école là, yo pas gen activité. Yo ferme en dans la caillou, yo pa gen cob qui entre dans poche, ti cousin ça pa gen moun pour checker encore. Et faut autorité en dans pays a comprendre que société a pa ka continuer comme ça et c'est un devoir pour nous vivre et faut vivre. Nous pa ka asphyxier nous comme ça en dans la caillou. Moi dit assez parce que yo fait tout ça pour nous faire déjà. Pour nous mourir, nous pas mourir, eh bien nous dit nous aimer la vie et nous voulons survivre. Je dis à chaque grain haïtien, voulons vivre. Et nous pas nous même dit vivre tant qu'au monde, mais nous voulons vivre. Puisque nous voulons vivre, que nous avons une chance pour l'école à réouvrir pour plus de 400 000 monde qui vivent de secteur ça, sans compter l'autre petit marchand, l'autre monde qui vit de secteur ça, jouer une possibilité pour retourner dans l'activité pour permettre que la vie a qu'à reprendre et Pierre Onel. Merci beaucoup. Et c'est cru ça que nous-mêmes nous avons planté que vite en notre société a déjà nous commencer campagne ça ouais les villes de province yo embarqué dans bataille ça et toute organisation syndicale organisation parent yo embarqué dans bataille ça qui vous permettre que le plus vite que possible l'école là réouvre porte li et nous baille de l'espoir à la jeunesse haïtienne. Nous baille de l'espoir à tout monde yo qui en dedans caillou qui a souffri qui va connaître qui ça pour faire chaque jour qu'a dit mon papi qui est l'école là pour ouvrir parce que yo soif pour ouais camarade yo qui était l'école là avec yo yo soif pour entrer en contact avec l'autre monde parce que merci c'est l'école beaucoup, là Marcel Lidonce qui a travers intervention l'ont montré qu'on préoccupé par situation enseignant yo nous t'ai dit dans l'introduction hein. Gagné enseignant qui gagne 3-4 mois et pas touché, mais c'est surtout enseignant dans le secteur privé. Privé. C'est-à-dire, professeur pas touché ou pas gagné pour avec moun qui dans le secteur public. Là. C'est soit tu veux dire. Non, moun dans le secteur public, là, même quand yo pas payé à temps, mais au moins chaque 2 mois, chaque 3 mois, il rejoint un petit peu de temps. Merci beaucoup, Marcelli. Même quand on a besoin, parce que je dis, je dis, c'est ça. Oui, vous avez souhaité tout secteur mettre ensemble pour entrer l'école là capable effectif et c'est dans dynamique ça. Plusieurs monde qui fait partie de différents secteurs où vous avez parlé, vous souhaitez intervenir dans le journal spécial, ça a fait matin guerrier sous rentrer. Officiel l'école là, nous parler à professeur, nous parler à de l'autre monde qui est gain pour avec secteur éducatif là. Jusqu'à présent, nous pouvons gagner réaction association parents. Oui, peut-être ça, nous pourrions parler avec Léo Litodu qui est même d'ailleurs un document qui fait sortir hein, sur la situation. Oui. On va mettre tout bateau. Oui. Oui. Problème pas fini. Ok. Mon travail fond, Jean, s'il vous plaît, mes amis. Ok. Et donc, oui, Léo Litolu, qui est lui-même en direct avec nous. D'ailleurs, nous faisons bon parti dans le journal là, sur question l'école là, côté chaque monde a essayé position sur ça. Léo, bonjour. Bonjour, Gabriel, bonjour. Bonjour Ferdinand, bonjour Pierre-Renel, bon retour Pierre-Renel, bon retour Lydia Alexandre. Bon, comme je dis, dernier, il fait sortir un document pour montrer qui quantité de monde est capteur avec quelle série pour l'école à l'ouvrir. Par exemple, imaginez, messieurs, dernière enquête ministre de l'Éducation nationale qui est sortie. Nous avons délégué 4 600 000 180 élèves plus pour les fondamentales secondaires. Et parmi les gens, nous avons 2 344 245 garçons, 2 272 635 filles. Mais, il y a un grave, c'est parce que 149 600 élèves
qui a l'examen de deuxième année fondamentale année qui vérifie 4 tonnes pour aller faire NS1 ou bien le troisième, ça ancien homme du secondaire. Plus 155 000 et plus 155 000 élèves bacchiniques ou bien filo traditionnel, 4 tonnes pour aller composer dans l'examen juillet 2023. Il faut compter 200 000 élèves de deuxième année fondamentale. Donc, avec tout le monde à eux, il y a plein. Et sans oublier les guerriers, épuisés, dizaines de milliers de monde qui n'ont pas l'université publique là, épuisée. Et il y a 36 000 de monde qui inscrit dans l'université publique là, et pour eux, ils ont fait des résultats. Donc, ils ont beaucoup fait beaucoup. Donc, là, les dissonances sont catastrophes. Mais qui t'aime dit, guerrier, il faut nous éviter pour le pays à pas diviser, pas. Parce que le véritable problème, non, c'est parce que plus on est dans le pouvoir, madame, il y a un petit peu en Haïti. Parce que c'est mon map tout le monde, une belle analyse de l'unité fait. Mais c'est mon sérieux. Mon qui pire, c'est les jeunes qui pire, un cas manipulé, un téléphone intelligent, un téléphone. Mais il y a beaucoup de téléphones plus ou moins, il faut que ça soit l'année, il faut que ça soit un téléphone plus ou moins. Il faut que et puis, par la pif, on ne peut pas qu'on l'ait écrit. Comment on va faire manœuvrer et des petits mounions. Imaginez, monsieur, il y a l'école. Vous avez une école. Par la pif, 60 000 gouttes, première tranche, dans le mois d'août. Mais vous avez l'école là-dedans, comme ça. Il faut parler. Vous avez une bague de terre, vous avez une école. Par un million de déconnectés. Sous Google et par WhatsApp, vous commencez à relire. Parce que nous n'avons pas une deuxième cloche pour composer dans l'examen à faire. Donc, on va citer CCF, pour connaître la CCDN, qui crée un groupe WhatsApp, un plateforme pour accueillir et Mesa, qui va faire qui va ouvrir l'école à fonctionner, qui va être pour ne pas la payer. Il y a des gens qui déconnectent Timon parce que les parents ne peuvent pas payer la deuxième cloche. Donc, ça, c'est un état criminel. D'où on a la nécessité là, puisque il y a plusieurs entités qui concernent, et même j'aime d'appeler des professeurs à l'université là, mais dans les professeurs, ça a oublié que la faculté n'est pas ouverte. Il y a plusieurs centaines de professionnels à l'université qui n'ont pas fonctionné. J'en suis sûr, ils ont l'état de crime et l'état fait. Mais monsieur, d'appeler des Pyrénées, véritable problème là. C'est le gouvernement qui fait l'école là, nous, oui. Qui s'acte à la base? Et qui s'acte à la base? Et c'est une petite mobilisation. C'était Brigade là, et Johnny. Imaginez, Johnny, par contre, si vous pouvez manger, vous pouvez compter 25 gouttes pour la gafou. On a essayé de dire gafou. Vous avez recommandé plusieurs dizaines de professeurs qui étaient passés dans ta race. On n'a pas gagné ta race. Ça veut dire que vous êtes un monsieur sérieux qui dit bon, puisque depuis que les camions 600 écoles dans une Guadeloupe, l'école ça a des difficultés pour fonctionner, ça ne peut pas aller. Il y a plusieurs, vous avez 150 écoles de Matisson qui étaient fermées jusqu'à présent. Tout le monde a eu la vie dans la nature. Pour le monsieur, vous n'avez pas qu'à trouver cette préliminération dans le bagage de Caïmoun. On ne s'en a pas touché. Et il y a un petit plein d'école que nous avons dans le marron. Parce que nous ne pouvons pas payer les cailles de monter sous nous, mais ils ne peuvent pas payer les professeurs. Donc, on a frappé les éducateurs nationaux. Et ça, c'est notre proposition. Nous avons frappé les éducateurs nationaux. Et c'est pour condamner le comportement criminel et monsieur qui est le tête de l'école. Pour moi, nous n'avons pas de différence avec un bio. Et l'autre, ça va fonctionner, monsieur. Et quand c'était depuis juin 2020 là, pour la couler pour la parole, et moi j'ai dit à l'école, vous avez dit que le document n'est pas fonctionné, parce que les fonds administrés de l'éducation nationale qui dédient, et l'école a fonctionné, tipa. Vous avez dit que le conseil, mais le gouvernement, il y a déjà, parce que l'école a dédié, il a fonctionné, tipa. Donc, vous avez 24 mois qui vont ouvrir l'école là. C'est le ministère de l'Éducation nationale, mais non, c'est le gouvernement Ariel Henry qui a bien négligé tout privilège. On est bien confortable parce que petit tout en Haïti.
qui dit le yo. Ça va être une décision chaque fois l'école a arrêté jusqu'à où vous allez, puis c'est le monde qui l'a dit dans la rue. Et moi, pour Dieu, je fais dire non. Ma précision pour Dieu, c'est parce que moi, je mets un pile d'informations. La dernière enquête de UNICEF qui s'est sortie, il te dit qu'il y a 500 000 personnes qui va à l'école. Vous avez 500 000 personnes qui ont l'état pour vous connaître côté où. Ma précision, monsieur, nous avons une relation avec la Chambre en France. Et du coup, après le Covid, là, alors il y a plus de difficultés avec Timounio, parce que Timounio vient de l'école à faire des anciens. Là, c'est en ligne, et par la tête, il y a des problèmes. Il y a des Timounio qui viennent suicider des têtes parce qu'ils ne veulent pas qu'à prison avec des amis. Donc, il y a des lumières. Et je dis, il va vous dire au canal de l'école. Combien vous avez acheté un téléphone, un bon téléphone? Vous-même, si vous avez un téléphone, pas de lumière. Pourquoi tu vas parler avec nous-mêmes qui est rapide, nous sur WhatsApp, une minute, communication coupée. Et puis vous n'êtes pas l'autre, pour dire moi ça, et WhatsApp, bon, ou bien un groupe qui travaille. Mais ce n'est pas possible. Moi, dans notre salle, il y a l'école qui déconnectée, on s'est réélève sur le groupe WhatsApp. Et l'école a appelé les parents d'une montagne. L'école a déconnecté un petit mineur. Quand ils disent, oui, il y a une période d'examen. Ou pas, il y a une période d'examen. Si par un parent, il y a déconnecté. Et vous avez une situation, vous avez dit, mais c'est pas nous. Quand vous avez dit, vous avez dit, peut-être vous ne connaissez pas, mais vous connaissez, nous connaissez. Et c'est toujours bien un petit business fermé. Qui va être business fermé? Moi, Et bien, ma table super qui dit c'est le ministre qui est tout puissant, il dit pas payer, parce que le peuple a 55 ans, il y a 65 ans, alors que même ministre a l'appliqué de pension, pour que le ministre ait 85 ans, 85 ans, il met 6 mois dans l'État. Donc, c'est ça le problème. Là. Donc, moi-même, pour moi, l'initiative qu'on prend d'ailleurs, et nous sommes pas des pieds Nelson, on est ma préférence, il est libre, libre, réalité. Et donc ça, sous 427 l'école, il y a 31 qui composaient, c'est-à-dire qui fonctionnait, mais du côté qui me les gens qui le problème gaz là. Est-ce que quand vous dites que vous gaz passe de 260 gouttes à 570 gouttes, c'est pas possible. Alors l'État, monsieur, c'est pas des gens qui sont là, vous êtes des gens, ça ne va pas les coûter, mais vous n'avez pas que vous n'avez quitté zone du côté de oui. Il n'y a pas que ça pour dans le ministère de l'Éducation nationale, qui quitte des zones perdues, il peut être la banque, il fait petit caillou, quitte lui. On a des fois le canal, on a des plafites, on a des l'État. Comment on va vous dire que l'équipement qui va être au bisou, il y a un bateau, il y a un petit bouzon. Et puis l'État va réagir. Quand il y a un bateau de l'État, l'État bien est tout. Et si tu n'as pas ici, moi, je mon guerrier. Qui dit qu'on a été battu de l'eau et qui dit qu'on a été battu de l'eau et qui dit qu'on a été battu de l'eau. Malgré ça, n'est-ce pas que vous avez été battu de l'eau et qu'on a payé à nous. Donc, moi-même, je suis dégué. Oui, moi-même, je suis dégué. Pendant ma fin, ma député ministre Ariel Henry, même si madame l'ex-aéro, mais madame, je suis français, je ne suis pas ici, mais moi, je suis plein de responsabilité. On décide, parce que les gens qui ne sont pas directs sur le monde, on va prendre un coup de bois, on va respecter ça, avec les dix, on double le gaz là. Donc, décision de responsabilité. Mais le contrôle, zone
Donc, vous croyez que le gouvernement de la République, pendant un dernier temps, c'est avec eux. Et puis, diminuer pour une décision de sagesse, au moins, nous recommandons de ne pas retourner sous le gaz là. Et puis, vous ne pouvez pas comment et la carrière. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous même? Quand vous venez de la décision, là, il y a une finie. On nous dit que là, nous perdons l'école à perdre 10 mois déjà. Souvenez. Si vous ne pouvez pas examiner, bien mieux. Si vous ne pouvez pas examiner, baccalauréat, mais qui ça va aller? Que nous dit l'école, c'est à vous. L'école, c'est à vous, c'est mieux. On peut dire des choses, qu'on ne peut pas expliquer nous aussi des bagages. Et si on nous mettait un problème personnel à côté, on pourrait dire qu'il y a tout le monde qui vient ici, détacher la police, la dire qu'il y a un peu de milliers, qu'on soit détenu, mettre la sécurité dans le pays là, et puis pour l'école à l'époque. Merci beaucoup, Léo Littolich. Pierre Vidal. Deux dernières interventions pour nous cap finir avec intervention NAP enregistrée depuis matin.